Yo la team Puma, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, je suis actuellement avec le petit Bader. Pourquoi petit? Parce que t'es pas très grand. Parce que et toi, tu mesures combien toi? Ça se pose pas comme question. Regardez la taille. Attendez, bouge pas, je me mets à sa taille. Voilà. Quel connard. Avec le petit Scrat qui est ici aussi, Scrat Rider. Bon, Bader, j'ai envie de vous dire, vous le connaissez. Nous sommes actuellement au Portugal pour aller tester 4 belles, magnifiques bécanes. La Truxton RS, Tiger 900, Triple RS et la Rocket 3. Laquelle t'as préféré toi? Laquelle t'as envie vraiment de... Je sais que t'en as déjà testé comme moi quelques-unes. Je connais bien la Street, je connais bien la Rocket, la Truxton elle me botte bien. La Tiger c'est trop pour moi, justement, question de taille. Bah d'ailleurs ils ont fait une Tiger 900. Oui, t'as vu? Oui, moi. C'est la Tiger 900 Bader. Elle est rabaissée pile poil pour lui, avec un petit bouton et quand tu t'arrêtes, t'as les roulettes qui se mettent sur le côté. Et toi, ce sera de laquelle t'as envie d'essayer? Toi, c'est la Rocket 3, tu m'avais dit. Rocket 3. Moi aussi, la Rocket 3, j'ai bien envie d'essayer. Oui, toi, avec un couple de camions, ça peut que... Après, la Tiger, moi, je l'avais pu l'essayer au Marshmoto Madness, la Tiger 800 XR prêtée partout en France. À l'époque, au Marshmoto Madness, je l'avais mis un peu en PLS, c'était marrant. Et j'ai envie de voir ce qu'elle donne, la nouvelle. Donc, nous sommes aussi avec Bibix, Triumph Fan France, Simon's Garage, et après, il y a qui d'autre? Sushi. Sushi Biker, le petit Sushi qui est là aussi. On va aller les voir au fur et à mesure, tranquillement. Donc voilà, c'est parti, les gars, on va aller s'amuser sur les petites routes portugaises. Bon, vous voyez, on a commencé la vidéo avec Bader qui était tout en bas. Bah, Sushi utilise le caillou pour être à la bonne taille. Pas du tout, je suis... Ça va, mon petit Sushi? Et toi? Tranquillement, ça se passe bien. Bon, t'es content de venir au Portugal? Mais qui ne serait pas content de venir dans le pays de la morue? Pays de la morue? Mais bien sûr. Par rapport à l'odeur et à la bouffe? Mais ce mec, c'est la spécialité, la morue, ici. Bah, j'ai jamais mangé de ma vie. Waouh! Je n'ai jamais mangé. J'ai déjà traité beaucoup de gens de morue, mais... Et d'ailleurs, on t'est d'ailleurs. Goûter. Je te ferai goûter. Tu me feras goûter ta morue? Allez. C'est bizarre. Alors, mon petit Sushi, quelle est la moto sur laquelle tu kifferais Rocket 3 de... Rocket 3. Bon, bah, comme Scrat. 3, bon, comme bah... Scrat. Comme Scrat. Moi, c'est Rocket 3. La Truxton, après, moi, j'avais pu essayer la version Street Twin, c'est quasiment le même moteur. Ouais. Et ouais, non, la Rocket 3, on est tous ouf là-dessus. Hein. Tellement démesuré, tellement. C'est insane. On peut se le dire. Moi, j'ai bien hâte. C'est insane. T'as amené ta full combi comme moi? Bien on sûr. On met le genou, on essaie. Allez. Bon bah vas-y, on met le genou, on y va. Moi je suis chaud, hein. Je veux faire un BBX V2. Bon bah allez, on va continuer d'aller se promener tranquillement. Bisous. Bon, en tout cas, pour commencer cette vidéo là les gars, je tenais à remercier grandement Triumph France de m'inviter à cet essai. C'est pas vraiment un essai presse, c'est un essai découverte pour essayer de, voilà, d'aller tous ensemble s'amuser avec les tout nouveaux modèles de chez Triumph qui pour ma part sont vraiment très attrayants dans tout point. Il y a sur les 4 modèles, les 4 styles différents, ces 4 styles qui me font plaisir à conduire. Bah, j'ai vraiment envie de voir ce que donne la nouvelle 900. La RS, vous la connaissez, c'était grâce à RPM 77, j'avais pu aussi tester aussi celle-ci. Et grâce à Triumph France, et bah voilà, je peux tester maintenant aussi la Rocket 3. Donc on va aller voir tout ça demain ensemble. Toute la fine équipe sur laquelle vous avez pu voir en vidéo dès le début. Donc un grand merci à eux et regardez un petit peu le cadre idyllique. Bon, et bah, moi je vous dis en tout cas les gars, à demain. Oh, I think you're so rude. Don't wanna fight you. You don't ever take a break. Cause you love drama. Forget the karma. No, you don't ever take a break. It's always about you. Hey yo, salut tout le monde, c'est l'Empima. Alors aujourd'hui, une vidéo qui change un petit peu. Grâce à Triumph France, j'ai pu... Oh là, la Bader, calme-toi. Donc j'ai pu avoir, bien entendu, la chance d'aller au Portugal pour aller essayer 4 merveilleux modèles. La Street Triple RS, sur laquelle je suis actuellement, et la Truxton RS, ainsi que la Rocket 3, où Bader est assis dessus, et la Tiger 900. Alors, pour vous expliquer rapidement ma façon de fonctionner, j'en ferai des vidéos, les gars, comme d'habitude, vous savez, vraiment spécifiques à chaque modèle. Là, ça va vraiment être des premières impressions à vif. Il n'y aura pas d'explication vraiment spécifique de chaque moto. J'irai vraiment faire des vidéos. J'irai vraiment faire des vidéos particulières pour chaque. J'ai commencé avec la Street Triple parce que bah, tout simplement. Oh là là, c'est route. Parce que tout simplement, comme on vous expliquait, bah voilà, ça permet de se mettre en jambe tranquillement. Alors je suis avec Bader devant qui est en Rocket 3. Donc Bader est en Rocket 3 GT. Devant on a Julie de Triumph France en Rocket 3 R. Je suis créé les différences quand je serai dessus. Derrière moi nous avons Scrat Rider en Tiger 900 pour le moment.
Et idem pour le petit sushi, Triumph Fan France, excusez-moi, étant Trixton. Alors pour toutes les personnes qui veulent des informations sur la Street Triple RS sur laquelle je suis actuellement, je vous mets une petite fiche en haut à droite pour que vous puissiez aller découvrir tout ce que je pense de cette moto-là. Ça fait vraiment plaisir d'aller découvrir de belles bécanes par des routes portugaises que j'ai mis en... Ah là là, elle a l'air de tracter énervé là, la Roquette 3, c'est incroyable. Alors les gars, il faut savoir que je vous mets en description les 4 liens des 4 bécanes que je vais essayer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour aller vous renseigner dessus vraiment tout en détail. Vous aurez tout, fiche technique, belles photos, tout ça sur site de Triumph. Oh là là, c'est vraiment un bonheur ce truc. Et je tiens aussi à vous demander, alors en commentaire, mis à part bien entendu la Street Triple RS vu que je l'ai déjà faite, marquez-moi en commentaire vraiment quelle moto vous voulez que j'essaye en premier, dans le sens où, admettons, Jean-Eudes, Marc, admettons Jean-Eudes et Marc, je veux la... Je vais essayer la Roquette 3. Si, la, si ce commentaire-là est full spammé, dans le sens où il arrive en top commentaire, et ben je demanderai à Triumph France de me prêter cette moto-là. Genre, admettons, la Roquette 3 arrive en top com pour aller l'essayer, j'irai l'essayer. Exactement la même chose pour la Tiger, exactement la même chose pour la Truxton, etc., etc. Donc vraiment, marquez-moi en commentaire laquelle, laquelle vous plairait de voir en test sur ma chaîne. Oh le bader, il l'a fou. Il l'avait en PLS la GT. Donc sachez que de toute façon on va tourner avec toutes les motos, donc vous allez avoir mon avis sur toutes les bécanes. Un avis qui va être d'abord, on va dire, global. On va pas aller dans les explications comme mes essais moto par rapport à la fourche, etc. Ça va vraiment être, voilà, montrer qu'on peut se marrer en Triumph. Ça va surtout être, voilà, pour montrer les 4 nouveaux modèles qui viennent de sortir, qui ont tous, je pense, leur mot à dire dans leur catégorie. La Street Triple RS, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ils ont déjà eu un conquis, vous voyez ce que je veux dire, roulant en Street R. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper, et la prochaine, vous allez avoir mon avis, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Je pense que je prendrai la Roquette 3 à la fin de la vidéo, je pense. C'est vraiment celle qui me... Dans toutes celles que j'ai essayées là, que je vais essayer, c'est vraiment elle qui m'intéresse le plus en termes de sensations. Donc je vous dis à tout de suite au guidon d'une autre bécane. Bon bah les gars, le groupe est là-bas, je vous fais rapidement à la GoPro, ne vous en faites pas, vous aurez des tests de toute manière précis de chaque bécane comme d'habitude, c'est juste que là vous puissiez avoir, on va dire, un petit rendu un peu extérieur pour changer un petit peu, voilà, que vous ayez plusieurs plans. Désolé, c'est à la GoPro, j'ai pas pris le réflexe parce que de toute façon, vu comment ça tourne, voilà. Alors je vous explique rapidement pour cette petite Truxton RS, là on est sur le coloris Triton, vous avez du gris, du plus foncé, petite bande rouge. Un avant Showa, un arrière Hollins, là on est sur les sorties d'origine classiques. Celle-ci je vous expliquerai en roulant les gars de toute façon les différentes specs, mais voilà on ira pas, je vais pas aller au fin fond de la bécane en elle-même. Comme je vous dis, il y aura une vidéo spécifique. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne sur celle-ci. J'ai monté dessus, c'est très spécial. Quand t'es grand comme moi, c'est très spécial. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, allez, c'est parti. On démarre et puis on va les rouler. C'est parti. Donc là, on a échangé. Comme je vous dis, je monte sur la Truxton, on va les rouler. Bader a pris la version R. Sushi a la version GT. Et nous avons le petit Scrat avec la Street. Bon roulage. Merci bien. Regarde, il est trop petit. Il est trop petit. Et voilà. Le bader qui rôde le pneu arrière. Il était sale, il a dit. Vas-y bader, allez c'est parti. C'est parti, c'est parti.
Mais non, mais ce départ. Oh là là, il a vraiment une classe de ouf. Par contre, vous voyez, cette bécane là, elle est vraiment hyper longue, c'est incroyable. Elle fait... c'est un bus le truc, hein. C'est un bus. Bon, la petite Trixon, on va voir ce que ça donne. Position de conduite, rapidement pour vous dire, 1m90, j'ai les jambes assez recroquevillées quand même. Ce qui est assez marrant et ce qui m'a choqué le premièrement quand je suis rentré sur cette... quand je suis monté sur cette moto-là, c'est en fait la finesse de la moto en elle-même. C'est-à-dire que le réservoir est hyper fin. Je crois qu'il fait 14,5 litres, je serais incapable pour le moment de vous dire exactement combien de kilomètres tu peux faire avec. Je pense au minimum à 200 bornes, je pense peut-être 150 au minimum. Oh. Donc 1200, on est sur 112 Nm de couple là-dessus. L'avantage de la Trucson, je trouve, c'est que elle a un look certes, on va dire un peu old school vintage, tu vois. Ça c'est sûr, mais elle a quand même des caractéristiques qui fait quand même que tu n'es pas obligé de traîner en courbe. Putain, là, un couple, c'est assez bluffant. Hein. Alors à partir de clairement après 7000, il n'y a plus rien. On arrive quasiment au rupteur, c'est ça qui est ouf d'ailleurs, hein, c'est que d'habitude les motos, genre à partir de 7000, ça commence à aller jusqu'à 12-13. Là les gars, la zone rouge, les gars, c'est 8000, mais je pense qu'à 7000, t'es rupteur. Hein. Donc c'est dingue quand même, hein. Je pensais pas que ça allait avoir si peu de tours, on va dire. Le moteur, je trouve qu'il enroule super bien. Il n'y a pas de vibration gênante au niveau du guidon, au niveau des cale-pieds. On en a très légèrement au niveau des fesses. Par contre, elle est c'est très bizarre à amener en courbe. Il faut, j'ai l'impression, il faut énormément contrebraquer pour aller genre dans un virage à droite et l'amener en courbe, la Trucson. Il faut vraiment forcer vers l'extérieur. Genre, vous voyez, mettons, la virage à droite. Bah là, pour faire ma courbe, j'appuie énormément sur mon bras droit. C'est marrant, le feeling qu'elle a en courbe, celle-là. Après. Par rapport au nombre de chevaux, là on est sur du 105 chevaux, donc pas possibilité de l'avoir en A2, celle-ci. Putain, elle arrive à ressortir de courbe assez fortement, c'est bluffant. Il n'y a pas besoin de monter très haut dans les tours, au final, je suis pas haut du tout, hein, je dois être à 4000, 5000. Ouais, il y a vraiment très haut dans les tours, c'est qu'aux fesses que tu sens le... Par rapport à mon gros poids de bébé, je pense que les suspensions avant sont clairement à régler par rapport à moi. Elles sont un peu trop molles, je trouve, les Showa par rapport à mon poids. L'arrière, par contre, Ohlins, rien à dire. Ça se tasse pas, c'est très bien. Elle a de bonnes reprises. Niveau freinage, par contre... Ça freine, mais je trouve pas ça transcendant. Je trouve les rapports assez courts quand tu lui tires un petit peu dedans, comparé à la street où j'ai l'habitude que ça, voilà, ça envoie. Et là, alors vous inquiétez pas, petit arrêt photo, tranquille. On va aller faire de belles photos, donc on va s'arrêter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les gars dans la description les motos qui vous plaisent. Je vous mettrai les 4 liens, donc allez les voir. Allez voir donc les 4. Checkez-moi un petit peu cette vue. Attendez, excusez-moi, c'est vraiment là pour voir vraiment cette vue. Regardez ça. Incroyable le panorama, il est incroyable. Quoi de beau. Triomphe, les poteaux, le petit Bader derrière. C'est exceptionnel. Mais vraiment, ouais, donc allez voir en description les gars les 4 liens que je vais mettre par rapport aux 4 motos que j'ai testées. Et une fois que vous avez vu ces 4 liens-là, marquez-moi en commentaire vraiment pour faire monter un top commentaire d'une moto que vous voulez que j'essaye. Sauf la Street Triple RS, donc finalement il n'y aura que 3 motos finalement. Passe donc le petit sushi. Ah les gars, c'est le cas de le dire, on dirait une crevette sur une boîte d'allumettes le petit sushi. Elle est énorme la moto. Elle est énorme. C'est un camion, la taille de la bécane, c'est un camtar. Ah bah ça ouais en fait. Là tu sens que ça traque quand même la roquette, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Hein. Après en soi vraiment c'est le fait d'avoir des demi-guidons, comme Bader me disait, tu sais, le fait de venir contrebraquer en cours pour essayer de venir amener la moto. Faut vraiment essayer de venir forcer, un peu comme une sportive au final.
voyez là, là je suis obligé de forcer sur la main droite de ouf. Mais très surprenant par rapport au couple. C'est vraiment. Alors pour celle-ci, ça serait déjà son couple très présent à bas régime. C'est incroyable. Dès 3000, dès 2000, ça y va. Il n'y a pas de problème, ça part sans souci. Après, ça serait vraiment le fait d'avoir des demi-guidons qui fait que. Bah, en cours, moi, j'ai pas un feeling de ouf. C'est peut-être aussi parce que le fait que je suis pas non plus ultra habitué à rouler avec des demi-guidons tout le temps. Ça, c'est beau, ces petits enchaînements là. Ah! Ah bah il a frotté les calpates. Ça frotte très très vite là. Alors, on peut repartir vraiment à bas régime en 4, elle l'accepte volontiers. C'est vraiment que tu, quand tu montes là-haut, on va dire, que tu as réellement, on va dire, des vibrations dans les fesses. Oh, ce genre de virage, les gars, mais on n'a pas ça en Bretagne, nous. Hein. Vous voyez là, quand je réaccélère, ça fera très très bien. Et le son d'origine est quand même plutôt correct. Oh là là, le... oh là 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 là, l'enchaînement, le plaisir. Bah avec la roquette, de toute façon, c'est clair qu'avec ça, tu peux pas te permettre trop de... d'aller chercher de l'angle. Hein, tu... Alors le couple max de la Truxton, tu le trouves vraiment à 7000. Mais vraiment, ça commence déjà à tirer à bas régime, sans trop sourciller. Bon, en fait, faut être en 2 ou 3, quoi, maximum. J'ai pas de feeling avec celle-là. Hein. Réellement, les suspensions avant, je... elles sont pas à mon poids. Hein. Moi, je fais gros dessus. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la Truxton? Est-ce que c'est une mécane qui vous plairait en essai? Que je vous explique des choses dessus? Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi en commentaire. Vraiment, moi, j'attends vos retours. Je vais les lire de A à Z. Oh là là, mais le rêve, ces courbes, c'est un truc de ouf. Ah, je valide, vraiment un kiff. Elle est bien celle-là? Elle est bien, hein? Ouais, je vois ça. Ouais. J'étais derrière toi, j'entendais. Oh, c'est génial. C'est génial. Take your pain away, 'cause I hate seeing tears streaming down your face. Donc les gars, moi j'ai délaissé la Truxton, je pars sur la Tiger 900 Rally Pro. Le petit sushi garde toujours sa petite roquette. Celle-ci, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Mec, elle est... c'est comment? Ça bat? C'est vrai? Après moi je suis petit donc les choses ne demanderont pas. Eh gros, quand t'es parti on aurait dit genre une crevette sur une boîte d'allumettes, gros, c'est un bus. On va aller tester celle-ci, la Tiger 900. On va voir si elle va m'impressionner celle-ci ou pas. Alors déjà, dites-vous quelque chose, faut être grand. Je suis 1m90 les gars, j'ai les deux pieds bien à plat mais les jambes tendues. Pour vous expliquer rapidement on va dire la chose, c'est qu'en fait ils ont revu complètement un peu l'architecture moteur, surtout entre guillemets, alors je vais pas rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais en gros dites-vous que ils ont changé les choses au moteur pour permettre d'avoir en sorte de couple à bas régime de billes
et une fois que tu passes les 4000 tours, tu repasses sur un couple de 3 cylindres. Donc tu as une courbe qui a été complètement revue, et en gros ce qui permet d'avoir un son bicylindre, et après 4, c'est incroyable quoi. Donc on va voir ce que ça donne, parce que quand j'étais avec la Street Triple RS et que Scrat avait celle-ci, il était en train d'accélérer avec. Oh, je fais ouais, vas-y, ça a du coupe de ouf. Bon, je vais fermer la visière, je vais parler un petit peu fort, parce qu'avec le saut de vent, ça me fait beaucoup de bruit dans le casque. Alors moi, je vais vous donner un ressenti par rapport à la Tiger 800 XCA que j'avais pu essayer au Match Moto Madness. Là, dites-vous juste quelque chose, hein. Juste là quelque chose, ça n'a plus rien à voir, vraiment. La sensation moteur, c'est plein à tous les rapports, c'est incroyable là, ce qu'ils viennent de faire là. Ouais, ça tire bien même. Alors cette moto là a bien entendu 95 chevaux. 95 chevaux, ce qui vous permet d'avoir le permis à deux avec cette moto là. Autre chose, on est sur un couple. 89 Nm de couple si je dis pas de bêtises. Oh, vous savez quoi, je préfère même carrément mieux rouler avec ça qu'avec la Truxon. Alors là on est sur la version Rally Pro, c'est-à-dire c'est la version haut de gamme. C'est-à-dire que vous avez des jantes à rayons. Donc forcément elle est un peu souple de l'avant, vraiment elle est faite en mode baroudeur. Je suis étonné vraiment de la patate que fournit vraiment ce Tiger 900, c'est relativement bluffant. Hein. Je peux te permettre quand même d'attaquer un petit peu. Donc devant on a Scrat avec la Rocket 3 R, la rouge. Elle est assez bluffante d'efficacité parce que malgré une fourche avant que je trouve pas encore il à mon poids comme toujours hein, en mode brûlard, je la trouve hyper sereine en courbe. Le moteur reprend extrêmement bien. Avec le shifter, c'est vraiment top. Très étonné celle-ci, vraiment. La position de conduite, c'est forcément trail, donc tu as un dos bien droit, tu es assez bien assis, la selle est très confortable. Ah, il me la met hein. En même temps, voilà les gars, 2 litres 6 de cylindrée devant. Elle est vraiment très saine en courbe. Hein. J'ai un feeling avec celle-là, c'est fou. Hein. Je pensais vraiment pas que. En plus, on est sur la version rallye, donc vous voyez devant la rouge là, où il y a Triomphant France alias Philibert, qui lui par contre a la version plus routière, on va dire. Moi j'ai la version forcément rallye, ça porte bien son nom. Elle se débrouille quand même malgré tout vraiment bien sur route, dans un rythme on va dire classique, hein, sans venir aller chercher les performances et les chronomètres. Comme toujours, n'oubliez pas en commentaire les gars de venir me dire absolument qu'est-ce que vous. Laquelle vous voudriez voir vraiment. Vous voyez, là, j'ai l'impression d'avoir un son de bicylindre. Oh, ça enroule tout seul. Hein. Ça ne s'arrête pas. Comme je vous explique, de toute façon, je ferai, on va dire, comment dire, une vidéo détaillée sur chaque bécane, mais je compte vraiment sur vous pour, en commentaire, dites-moi laquelle vous voudriez voir en premier, vraiment. Comme ça, je demanderai à Triomphe France de venir me l'amener pour que je puisse en tester. Ça serait vraiment cool. Vous voyez, elle reprend très... C'est dingue, hein. C'est dingue le fait d'avoir ce coffre à bas et mi-régime qu'ils ont fait, là, en mode bi... Oh, j'ai pris un caillou. Je sais pas si ça touche. Oh yes, ça touche. Oh yes, ça met le genou en Tiger. Le genou dans tous les sens. C'est génial. Je crois que j'ai encore défoncé ma botte. Putain, va falloir que j'aille tranquille au niveau gauche. Oh, c'est vraiment, 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 vraiment génial. Wouh! Allez, on va changer de modèle. Je vais couper là et on va prendre pour la version GT Pro. Oh, ok, bon, et ben on aura bien mangé. Là, je viens de changer de bécane, elle a changé de couleur, mais on reste toujours sur une Tiger 900. On est sur le modèle version GT Pro. J'étais sur la Rally Pro juste avant. Et là, je suis sur la GT Pro. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je vais vous expliquer rapidement les différences notables entre les bécanes. Ah, le caillou. Alors, en gros, la Rally, vous allez avoir des jantes à bâtons, celles que vous avez vues juste avant. Vous allez avoir
des suspensions Showa sur la version rallye, bien entendu. Sur celle-ci, vous allez avoir des suspensions Marzocchi, je dis peut-être une bêtise. Donc sur la version GT, donc la mienne actuellement là. Là sur celle-là, on est sur des jantes à bâtons. Ouais, elle a l'air de tracter énervé quand même. Hein. Et suspension réglable électroniquement, avec toujours shifter up-down. Bon, clairement, elle plonge beaucoup moins, hein, vraiment, vraiment beaucoup moins que la version rallye, ce qui est tout à fait normal, puisque là, celle-ci est plus, on va dire, dans un secteur routier, d'accord. Elle n'est pas faite pour l'off-road, et elle reste toujours très agréable à rouler. C'est marrant parce que, comme je vous ai expliqué, que ce soit la version GT Pro ou Rallye Pro, bah en fait, réellement, comment vous expliquer ça? Il y a toujours ce bruit un peu de bi-cylindre à bas régime, ce bruit de 3 cylindres en haut. Ouais, elle plonge beaucoup, 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 beaucoup moins que la version rallye avec ses suspensions, clairement. Je suis vraiment, vraiment étonné. Hein. Moi, je vous conseille vraiment, les gars, allez voir vraiment les 4 liens en description. Comme ça, vous avez vraiment une idée, vraiment, avec des photos, des choses comme ça sur le site directement Triumph. Mais dites-moi aussi, surtout en commentaire, ce que vous en pensez vraiment de ces bécanes-là. Et laquelle vous aimeriez voir vraiment en test. Je pensais pas avoir un petit coup de cœur pour la Tiger, mais elle a vraiment de la wash quand même pour 95 bourrins, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce que je kiffe la conduire. Ah ouais, franchement, pour partir en road trip et tout, t'es bien, hein. Alors par contre, clairement, la garde au sol a été changée parce que là, je frottais pas comme ça avec la rallye, donc j'ai l'impression que la rallye a une garde au sol plus haute que la version GT, parce que là tout à l'heure je faisais des virages comme ça, j'avais pas le calepin qui venait frotter tout de suite, hein. Voilà, donc là on a les deux rallyes devant avec Julie, Triumph France et Bader, qui est celle que j'avais juste avant là. Elle est vraiment faite pour enrouler les cols, hein. Vous voyez, là je comparais à la Truxton RS que j'essayais, tu vois. Mais là, pour enrouler les cols, mais... Après, voilà, c'est le fait aussi que t'as un guidon droit, t'as le bras de levier qui est quand même plus important qu'un demi-guidon, tu vois. Mais qu'est-ce que t'es bien à enrouler les cols, c'est vraiment, vraiment bien. Le gros problème, par contre, de celle-ci, est que ça garde au sol, finalement, plus basse. Regardez. Ça fait que frotter à chaque virage, gros, t'as un cale-pied, gros. Je mets pas beaucoup d'angle, hein. Ouais, faut que je rapproche mes pieds, j'arrête pas de me... Regardez, l'angle est pas fou, hein. Ouais, c'est peut-être le seul problème, je dirais, c'est un peu dommage. C'est vraiment le fait qu'elle soit un peu plus basse. Tu vois, j'aurais voulu avoir les suspensions. Tu vois, avoir les suspensions de la GP sur la rallye. Oh là là, elle bouge devant, hein, la roquette. Hein. On va aller changer la moto, les gars. On va aller voir ce que ça donne, enfin, cette roquette. Vraiment hâte de l'essayer, cette roquette. C'est vraiment l'une des motos qui me tentait de ouf depuis que je suis arrivé au Portugal avec Triumph France, là. Vraiment. Donc, on va voir. Allez, c'est parti, on change de bécane, maintenant. Celle-là, elle frotte dans tous les sens. T'entendais les cale-pieds? Ah, mais gros, les cale-pattes... Ah, ça frotte dans tous les sens. Les gars, on y arrive enfin, les gars, enfin je monte sur la Roquette 3 GT. J'irai prendre l'air juste devant après. Ah là 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 là, alors là on va se la mettre en mode bikers. Alors clairement, les gars, la position de conduite, c'est vraiment en mode sur la version GT, bien entendu, les cale-pieds en avant en mode. Eh,
ça envoie énervé hein. C'est un. T'as vu encore? Ça ressemble à rien mec. Eh ça envoie bien hein. Bah d'où? Mais par contre je sais pas si la rouge elle frotte plus tôt ou plus tard. Plus tard normalement. Parce que là moi je frotte cale-pieds, bottes, y'a tout hein. Bah ouais, faut que tu mettes bien les talons sur les cale-pieds. Ah, en mettant les talons sur les cale-pieds? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit Bader, c'est que tout à l'heure il a mis. Ah ouais, d'être comme ça, d'être comme ça. D'être comme ça, d'être là. C'est fait important en dessous. Donc. Ça, c'est le conseil du Bader. Ouais. De pas mettre le cale-pied, vous voyez. Cet homme en face là, il a dit les pieds pas là, mais là. Alors la Truxton, t'aimes bien? Ouais, tu le kiffes. Moi, je sais pas, j'ai du. Après, t'es petit, enfin, t'es pas très grand, tu vois. Donc toi, peut-être que c'est mieux, mais moi, pour un gros comme moi. C'est vraiment fin. Ouais, c'est très fin, ouais. Elle a vraiment un caractère moteur qui est complètement fou, cette bécane-là. Bon, et bien voilà, j'ai troqué ma Rocket 3 GT, vous voyez, avec les cale-pieds en avant, avec ce look vraiment cool, à Bader. Et moi, j'ai pris la version R. Alors, qu'est-ce qui va changer réellement en parlant? Ça va être la position de conduite qui va être... là, sur la R, vous avez vraiment les cale-pieds un peu plus en mode, on va dire, roadster. Enfin, le couple. Vous avez un couple de renversement qui est... Vous avez un couple de renversement là-dessus qui est assez insane. Donc l'avantage par contre de la Rocket 3 R, mis à part ses cale-pieds, bah, c'est que forcément vous avez aussi la position de conduite qui fait que ça change complètement. On a une garde au sol, on a l'impression d'avoir une garde au sol, on va dire, qui est beaucoup moins on va dire contraignante, dans le sens où tu peux quand même te permettre pas forcément sur l'angle. Là j'ai le traction control désactivé les gars. Ça well. Traction control désactivé, bah tu peux te permettre de faire des petits wheeling. Ah la vache. Comme là j'ai le traction control désactivé, j'ai pas trop envie tu vois de mettre le fameux coup de gaz sur l'angle, tu vois, qui fait que ça peut faire mal. Donc on va y aller en mode safe, tu vois ce que je veux dire. Parce que là réellement j'ai une catapulte entre les jambes, hein, clairement c'est une catapulte. Hein. Je préfère par contre la position de conduite de l'air. Je la trouve un peu moins contraignante en courbe, tu vois. Elle est vraiment plus, t'es plus sur l'avant, t'es plus sur l'attaque, tu vois. Genre clairement. Là, tu sens que ça... Je sens que la motricité sur l'angle les gars, mais genre le petit filet de gaz de trop, les 221 Nm de couple par rapport aux 300 kg de la bête, t'as vraiment pas l'impression d'avoir par rapport au poids, clairement un tank entre les pattes. Genre vraiment, c'est insane hein, la sensation. C'est vraiment insane quoi. Ce qui est ouf, c'est... Ah, vraiment à bas régime, que ce soit la R ou la GT, de toute façon même moulin, c'est qu'à bas régime tu as vraiment une impression de main dans le dos qui te littéralement qui te propulse, tu vois. Assez vite au rupteur des vitesses, je les aurais vu un chouï plus long, mais après si tu les mets plus long forcément t'as moins cette main dans le dos qui t'expulse complètement vers l'avant. Vraiment marquez moi en commentaire les gars, je le répète encore et encore, mais marquez moi en commentaire vraiment qu'est-ce qui vous plairait d'avoir en essai classique sur la chaîne plus poussé, parce que là je vais pas parler des compteurs, je vais pas parler de plein de choses comme ça. Là c'est vraiment un ride vraiment fun. Mais le son d'origine est insane. Hein. Genre là, tu rajoutes un pot, je pense que là, tu perds 5 points d'audition. Hein. Mais genre vraiment. Regardez le petit Bader. Regardez-le. Après, c'est peut-être parce que je suis en combi, mais j'ai pas une impression de surchauffe de ouf. Vraiment dans les jambes. Peut-être le côté droit un petit peu. Mais très léger. Regardez. Oh c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on peut frotter hein. Mais faut vraiment sortir son corps, faut être en mode singe mon gars sur la moto. Ouvrir la jambe comme un ouf.
cas, merci, merci Bader, merci Triomphe France, merci Sushi, merci vraiment tous ceux qui étaient là. C'était vraiment un moment hyper cool. C'est vraiment fun. Pouvoir rider comme ça. Waouh, et des catapultes, mon gars, c'est insane. Wouh! Eh ben, elle fatigue celle-ci, hein. Elle te tire, hein. Waouh, crois-moi qu'elle te tire les bras. Par contre, tu vois, avec la R, c'est bien. Tu peux quand même vraiment mettre de l'angle avec la R sans avoir vraiment les cale-pieds, tu vois, qui viennent frotter. Donc ça, c'est cool. T'es pas là à te demander est-ce que ça va passer, est-ce que tu es obligé de déhancher, de mettre la moto droite en courbe. Tu peux quand même enrouler les courbes sans trop chercher. C'est sur ces belles images que je vais reprendre le réflexe. On va aller enrouler pour finir tranquillement les belles courbes. Oh là 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 là. Ça serait moi, les gars, je laisserai la GoPro H24 allumée pour... Bon, en tout cas, je vais aller reprendre le réflexe. J'espère vraiment que ce que vous avez vu actuellement vous a plu et que j'ai réussi à vous emporter un peu avec moi, avec mes petits délires, avec voilà, ma façon de faire. Et un grand merci à Triomphe. Et voilà, ça fait grave plaisir. Je vous fais des bisous et puis on reprend le réflexe. Allez, c'est parti. C'est bon les gars, on est enfin rentré du périple de ouf avec les virolos dans tous les sens. Un grand merci à Julie d'avoir préparé ça, un grand merci à Triomphe France. C'était vraiment top. T'en as pensé quoi, mon petit Sushi? C'était insane. C'était insane? C'était ouf. Et les gars, derrière, vous en avez pensé quoi? Un régal. Un régal? Première fois pour vous, c'est ça? Le non. Top du top. Toi, peut-être pas toi, non. Lui, c'est un mec du business, vous voyez, il a les lunettes. Un peu dans le game. Voilà, Neko Plus. Non, je rigole. Pour cette petite outro, bon, c'est normal, là, on est comme ça, on va aller se baigner. Il y a la mer qui est à côté, donc forcément, venant de Bretagne avec mon eau à 60 degrés en hiver, ça le fait. Juste pour finir, les gars, tac au tac, la moto sur les quatre qu'on a essayé, laquelle tu préfères? Oh, la Roctane! C'est un truc de ouf! Tac. Tiger 900 GT Pro. GT Pro et derrière, Scrat? Oui. Laquelle? La Street? Une pour chacun, du coup. Moi, ça serait la Tiger, puis après, ça serait la Rocket, puis après, ce serait la Street. Et puis après la Truxton, j'étais pas ouf. J'ai pas trouvé ça ouf. Ah mais tu les envoies en enfer les quatre de toute façon. Ouais, c'est vrai que les ouais. La Truxton. C'est comme le couir. Je sais que Julie va regarder cette vidéo là, donc dédicace à toi Julie avec ton tronfe. Triomphe. Faut badger là. Et juste pour finir cette vidéo, checker juste ce portail. Vas-y. C'est pas... De qualité Triomphe. Few moments later. Y'a plus de temps, y'a plus de temps. Ah c'est bon. Oh, il est chaud. Ah là là. Bon allez les gars, merci encore à tous pour la vidéo. Bombarde de pouces bleus, dis-moi ce que t'en penses et n'oublie pas. Plein de surtout, bisous. Surtout les gars, en commentaire. En commentaire les gars, vous oubliez pas de venir liker quelle moto vous voulez voir. Et j'ai envie de vous dire, à partir de maintenant, on va taper la pause pour la fin. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et on tape la pause. Ciao, bisous.